C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. L'opposition absente au grand rendez-vous devant permettre de désigner les représentants du peuple pour le compte de la 8e législature, compte mener des actions qui auront à menacer la paix et la stabilité de l'État. Depuis vendredi dernier, des engins lourds de l'armée béninoise sillonnent les grandes villes prêtes à riposter immédiatement en cas d'une quelconque menace à la sûreté de l'État. Vous suivrez dans ce journal le commentaire de la rédaction du jour qui s'y est penché. Après 3 ans de gouvernance du président Patrice Talon, des changements ont été opérés dans plusieurs secteurs. À cet effet, vous suivrez dans ce journal les impressions de quelques citoyens béninois sur ces 3 années de gouvernance. La phase retour du championnat national de première division de football a démarré ce week-end après une trêve d'environ 4 semaines. Cette seconde moitié de la Vitalor Ligue 1, EZAE Football Club l'a entamée comme elle a débuté la saison 2018-2019 par une victoire face à l'AS Tonnerre de Boycon. À nouveau, bonsoir. Plus aucun doute, sauf changement de dernière minute, les élections législatives d'avril 2019 se dérouleront entre 2 partis politiques soutenant l'action gouvernementale, à savoir Union progressiste et Bloc républicain. L'opposition absente à ce grand rendez-vous devant permettre de désigner les représentants du peuple pour le compte de la 8e législature, compte mener des actions qui auront à menacer la paix et la stabilité de l'État. Depuis vendredi dernier, des engins lourds de l'armée béninoise sillonnent les grandes villes prêtes à riposter immédiatement en cas d'une quelconque menace à la sûreté de l'État. Le commentaire de la rédaction du jour s'y est penché. C'est une signature d'Abdelkader Achirou. Devrions-nous nous battre? Je dirais même nous sacrifier pour les politiciens. Je crois que non, ils ne le méritent pas. Les mêmes que l'on défend aujourd'hui, une fois au pouvoir, sont méconnaissables. Le pouvoir enivre. Le mal n'est pas lié à une personne, mais plutôt au pouvoir d'État et au macrocosme politique dépourvu de logique, de morale, d'éthique et même de bienséance. Patrice Talon a hérité d'institutions installées par l'ancien régime qui a su placer en son temps, contre vents et marées, les siens. La majorité parlementaire qu'il est venu retrouver au pouvoir n'était pas la sienne. Cette opposition aux allures hétéroclites se retrouve partagée entre des acteurs politiques qui ont toujours constitué les maux de ce pays et des riches jamais rassasiés. Si certains ont oublié qu'il n'y a pas de promesses et de redevabilité certaines dans le lexique qui régente la vie en politique, d'autres sont contre le champ du nouveau départ parce que les conspirations et accords mafieux convenus fallacieusement n'ont pas été respectés. D'autres rêvant d'être incontournables dans le dispositif gouvernemental souhaitaient s'arroger de la jouissance de ce quinquennat pour effectuer leur one-man show coutumier de grands théoriciens détenant la science infuse de la chose politique et de la gestion des affaires étatiques. D'autres sont opposants aujourd'hui parce qu'ils sont en difficulté d'être réélus pour le compte de la 8e législature. Tous réunis, ils surfent en effet sur les impacts d'impopularité évident des réformes menées par le régime en place pour défendre leur cause égoïste. Patrice Talon, à l'observer, n'est pas de la lignée des leaders qui fléchissent si facilement. Sa fermeté d'une exponentielle extrémité l'a poussé à effectuer des réformes courageuses, audacieuses et tout aussi fondées que contestées. Les acteurs de l'opposition doivent tirer leçons du passé et du présent pour l'avenir. L'opposition a sous-estimé la fermeté et l'attachement du chef de l'État au fonctionnement orthodoxe d'une république. La division qui règne au sein de cette opposition retrouve sa légitimité dans les motivations individuelles tout aussi diverses que diversifiées. D'autres ont eu à faire du dilatoire car leur leader, constamment entre doute et hésitation, a pouvoir miser 249 millions de francs CFA pour les élections législatives et 250 millions pour la présidentielle, soit un demi-milliard en tout, sans les frais de campagne. Oui, ce leader a eu à douter, surtout avec la possibilité que ces derniers,
une fois au Parlement, pourrait éventuellement se rallier à la mouvance présidentielle. Par ailleurs, il est vrai qu'il y a des doutes, laissant libre cours aux spéculations de toutes sortes au sujet de la neutralité du ministère de l'Intérieur dans le traitement des dossiers des partis politiques, surtout avec le fait que son ministre soit membre d'un des partis en compétition pour le scrutin prochain. Cependant, une nation ne peut être prise en otage constamment par les humeurs d'un groupuscule de personnes se qualifiant d'acteurs politiques. Une république repose sur des tests des lois votées et adoptées à une large majorité exprimée. Sa stabilité ne dépend pas de formations politiques se réclamant de l'opposition, encore moins celle de la mouvance. Elle est incolore et inodore sur ce point. La démocratie est une dictature voilée, celle de la majorité sur une minorité. Notre opposition, ne faisant pas parfois preuve de réalisme, n'a pas encore eu à accepter cela. Aussi, notons dans le cheminement démocratique, à des moments donnés, la démocratie parfois verse dans l'anarchie qui interpelle la dictature pour son rétablissement. Il urge dans un esprit républicain, épris de paix, de ne pas perturber le scrutin prochain pour des intérêts politiciens. Depuis vendredi dernier, au lieu que ce soit la police républicaine, fusion de la police et de la gendarmerie pour plus d'efficacité de performance, au lieu que ce soit ce nouveau corps créé, qui fassent des patrouilles, c'est plutôt des militaires armés jusqu'aux dents, dans des blindés qui sillonnent de jour comme de nuit nos villes. Il y a une menace à l'horizon, semble-t-il. Et opposants comme mouvanciers doivent savoir que la guerre est facile à démarrer, difficile à finir et impossible à oublier, car après une guerre, il ne doit rester au peuple que les yeux pour pleurer. La guerre est toujours la pire des solutions parce qu'elle amène la mort et la misère, selon Jacques Chirac. À une juste guerre, préférons une injuste paix, a toujours recommandé Samuel Butler. Le dialogue est la seule façon raisonnable et intelligente de résoudre les différends et les conflits d'intérêts entre les politiques. La guerre est une suite d'événements imprévus auxquels on s'efforce de donner un sens raisonné. Quand les talons claquent, l'esprit se vide. Dans une guerre civile, la victoire même est une défaite. On croit mourir pour la patrie alors que l'on meurt pour des industriels. Ce qui, en temps de paix, est un délit et un crime, devient en temps de guerre un acte de bravoure et de patriotisme. Ce monde en armes ne dépense pas seulement de l'argent, mais la sueur de ses travailleurs, le génie de ses savants et l'avenir de ses enfants. Nous ne pouvons pas nous considérer comme des gens pleinement civilisés tant que nous considérons l'insurrection comme une option envisageable. L'opposition doit prendre sportivement cette euthanasie puis renaître de ses cendres. Elle doit laisser les législatives se dérouler dans toute pacificité et s'activer à évaluer des stratégies politiques et non propagandistes afin d'être présente en 2021. La loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle demeure la loi et il est obligatoire de la respecter dès qu'elle est promulguée. Inutile d'habituer les populations à faire obstruction à la loi pour des émotions et raisons de bienséance. Cela pourrait être préjudiciable aux opposants eux-mêmes si un jour ils se retrouvaient à la tête du pays. Le vin est tiré. Inutile de pousser le pays dans une situation nagasaïque, encore moins hiroshimadesque. Une telle situation chaotique révélerait davantage notre extrême niveau de pauvreté. La Libye se porte comment aujourd'hui, des années après que le prétendu dictateur ait été assassiné, donc mis hors d'état de nuire. Les exemples sont légions. Les populations ne doivent pas se laisser berner par des avides du pouvoir d'État. Aucun miracle ne sera possible après le déluge. Même s'il faut renverser Patrice Talon, ce sera pour choisir qui. L'opposition ne doit pas être constituée autour de déçus et frustrés d'un régime en place. L'opposition doit mettre le cap pour les scrutins à venir. Les communales, pour l'élection des maires, rassurent pas vraiment d'une liberté politique, surtout avec les récents événements liés à ce que l'on pourrait qualifier de pandémie de destitution des maires, qui a eu à prendre en otage les conseils communaux aux premières heures de la rupture. En clair, les maires dans une agitation politique stérile et puérile peuvent toutefois être destitués. Mais le grand rendez-vous à ne pas manquer pour une formation politique qui aspire à changer les paradigmes et à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, c'est l'élection présidentielle. Si en 2021, la situation se duplique avec des manœuvres plus machiavéliques, alors l'opposition n'aura pas besoin d'agiter les fièvres électoraux à coups de billets de banque au profit de son combat. Mais pour y parvenir, il faut que chaque entité politique, se réclamant de l'opposition, fasse un diagnostic profond pour mesurer les exigences et appréhender les difficultés éventuelles. Mais si au lieu de cela, ce sont les conférences de presse, Zemarche, qui préoccupent et obsèdent, ce serait un second constat de leur inefficacité et incapacité politique, car les dénonciations n'ont jamais ébranlé un régime sérieux et confiant. Depuis 3 ans,
que le président Patrice Talon gouverne le Bénin, des changements ont été opérés dans plusieurs secteurs. Interrogé sur la gestion du régime de la rupture après 3 ans de gouvernance, quelques citoyens se sont exprimés. Si pour certains tout va bien, d'autres estiment qu'il y a encore du travail à faire. Des propos recueillis par Billy Laibi et Christian Thomas Imenan. Les 3 ans de gouvernance de Patrice Talon sont positifs. Sont positifs. 3 ans, vu ce qu'il a entamé pendant ces 3 ans-là, je dirais simplement que c'est positif. Si on peut le laisser terminer ces 5 ans, voire lui donner encore une chance pour un second 5 ans, vraiment, je pense que le Bénin va changer. Oh, à mon village. Mais quand on est mais on a un ministre, un député, mais bien Toto, mais c'est d'amour, et ni clé, les gens sont clés. Nous ne pouvons pas créer, mais mes filles, à quoi tu as un clé? Et ne les bio, et quand on est tensionné, tu as un clé noir. Au ministre, nous, tu es vivant du camp, tu es à sort, beaucoup de tout, tu es vivant du directeur, tu es la fédération, tu es avec moi, alors qu'on te garde, bon, et nous, 5 ans, bon, nous, alors qu'on te garde, mais d'ordi, il est là. Oh, mais les clés, mais pourquoi vous voulez dire, tu es une clé? Nous jeunes les créer nous mais nous avons créé nous à quoi nous avons créé nous nous n'est bien dans tout le gudo nous il a créé nous to et rien à quoi le to gansi nous à quoi il y a la ressource et rien sous impôt nous créé quoi d'ailleurs 800 000 à impôt 200 causes ici mais nous des impôts 200 ici mais nous n'est pas éclairé nous quoi on nous n'est pas to gans on a créé nous mais dans ce mais bon il a créé mais nous le tuer y a tout mais nous n'est tout mais on et n'est plus quoi et ouais yo. Et quand on dit tout grand, il y a ce que si vous avez du cadre, mon nom, et que vous avez tout grand, quand vous avez du cadre, vous avez si vous avez du cadre, et quand vous avez du cadre, vous avez du cadre, aussi du cadre, pour que vous avez du cadre, vous avez du cadre, et bien nous avons du cadre, et vous avez du cadre, 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 vous avez bon eko fon de mbo mi ko mo do to ka mi wa so di o fo le yo mi ko mo n le ya de ma zo gbon ma na da ho problem ya azra do yi we do maybe ma sin do po ni fo gbon gbon na ne me jawe do de wa kan jiji un gege tin bo mo bo e vivi nu mi mi gbo je da jo tole si eh mi gbo je da jo tole si mi ka bi o to ho mi o azo de le tin bo do wi wa bo jeji nu yen nu lo po de me wa in do to ho mi fu pere mi do nu sawe ya mi lo ko mu ya hun eni o ve o nu mi me yon le aso mi ton le kakabo wa mo ko de gbe ame pe su te pon fi le ni dudu mo do jire yon nu e de din le wa da su ko nu me ma pon wa ka lo le me jo me gege do asu gbe we vimi ton le mi no ro kon na edo ye ni de zande yo zande no wa mo do jire kakade we ya na blo jona fo o e na nyo jewe tori nye mo ya to ado ye no do fit agbere yen ku mo ya ya ton de o mi tun lo kwa ha ro to me me wa nde in do kakabo ni o mo ame o mo je mu je do ton de a ndo po de yen mo wa ndo jire e a kwa ran do nous ne bouteille vidéo à quoi j'ai dit tâche j'ai dit impôt j'ai dit bon impôt j'ai dit impôt gardien dieu à sa c'est bon nous gardien pour dire soit à horde on n'y a pas quoi tu sa roi nous ou à tiya bon nous et à soi et à quoi monsieur qu'elle est notin et ma soeur est une mort donc à y gâti d'y et des projets de tombe pour gêner y met des ma monnaie y est moi bon nous ne dis pas y met des mains à nous et on dit on y a mettons pas de la cour ouvert mais y a ça qui pouvait laisser un sommet c'est bon. Et quand il y a ça, tu peux me laisser assommer. Tu peux me dire que ça, il doit tenir ton meilleur. Mais il y a des gens qui ont dit, mais bien, ouvert. Et ouais, c'est un bon noyau. Nous sommes blancs, ou même. Oui, attends, mais on est un peu de l'économie. Oui, attends, mais on est un peu de l'économie. Et finalement, quand on est un peu de l'économie, on est un peu de l'économie. Oui, attends, et t'as le honte, c'est bon. On est un peu de l'économie. Donc, ici, on dit, nous sommes un ancien. Et Tony. Et un bolo amouletti, et ma zion dien, pétole non bane anche. Bon yon ha, bodo di ruputi, bon mi pin ha. Bon e bel bi beton e bokanou, nou he karou nou kon le men bi kwi.
pokale wa bebo jebi si bloji do afotebo e no pachabo mi no do ekosien ekunkasien oto do ran inu kon bi ha me me kwenwelo otalon peto meje irono a in peto me be witwe han besia bi ha me me kwen merci. Dans le cadre de ces 5 années d'existence, le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement, LARED, du professeur Dodji Amouzouvi a fait soutenir 2 doctorants en sociologie, anthropologie, option sociologie du développement sur l'homosexualité. La première soutenance a eu lieu le vendredi 5 mars 2019 à l'ES Faculté des Lettres et sciences humaines, flash de l'université d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu de la rédaction. Le jury, après délibération, a remarqué qu'au niveau de votre présentation, vous avez été excellent. Des réponses aux questions sont pertinentes. Le jury a estimé unanimement que votre thèse est reçue et que vous êtes intégré au corps de docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honnête. Très honnête. C'est une délibération qui légalise et légitime Calista Ruede dans le grade universitaire de docteur en sociologie-anthropologie, option sociologie du développement, reconnue par l'université d'Abomey-Calavi. Une soutenance de thèse qui a porté sur le sujet « Homosexualité au Bénin, entre exclusion et tolérance sociale » devant un jury composé de sommités du monde universitaire, tant de l'université d'Abomey-Calavi que de l'université de Lomé, l'impétra a eu à présenter le fruit de ses recherches en une trentaine de minutes environ. C'est encore le plus dur qui commence. Le tout ne suit pas des docteurs. Le reste, c'est de marquer la science, de continuer par des réflexions fécondes pour impacter la communauté scientifique. Je suis, en toute humilité, précurseur d'un tel sujet au niveau de Bénin, beaucoup plus à l'université d'Abomey-Calavi, donc j'ai beaucoup de choses à faire pour que les autres qui vont venir puissent beaucoup plus être bien informés et disposés des points de chute qui sont les miens, à partir desquels ils vont évoquer toute problématique. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'homosexualité touche la problématique, d'accord, de la question d'une société inclusive, d'une part, et d'autre part, sur la reconnaissance de votre enfant qui désire être dans un postulat psychologique de son activité sexuelle. Puisque en Afrique, la vie sexuelle est dans un postulat de communautarisme. Et cette communauté, elle attend de vous, de vos activités sexuelles, la descendance, ce qui permettra non seulement de repopuler l'association, mais c'est aussi de permettre la perpétuité des lignées biologiques. L'homosexualité évolue selon les mutations sociales, dans le temps et dans l'espace. Au Bénin, l'amorce de l'ère démocratique au début des années 90 a favorisé l'émergence des homosexuels dans les grandes villes du pays. Leur profil sociodémographique a révélé une mosaïque d'individus avec une instabilité dans les relations sexuelles où la bisexualité constitue une stratégie de contournement de leur discrimination sociale. Ainsi, de plus en plus, des espaces sociaux sont créés pour leur sociabilité à travers des associations. Ces dernières leur permettent d'avoir des moments festifs et de solidarité à travers lesquels ils mobilisent les ressources nécessaires et favorables à leur environnement. C'est une première soutenance, une série de 2 qui ont été toutes rédigées sur la problématique de l'homosexualité au Bénin. Cette première soutenance précède celle de demain et porte sur la question de savoir si l'homosexualité s'inscrit au Bénin dans une sorte de réclusion, d'exclusion sociale, ou si nous avons déjà amorcé le dégel pour la tolérance sociale. C'est ce questionnement qui a guidé les travaux de l'impétra M. Calis Owede tout le temps, ces 3 années qu'il est resté au laboratoire. Et vous allez remarquer avec moi que nous sommes là dans une thématique complètement novatrice. C'est une problématique nouvelle
Et on doit saluer l'audace du candidat d'avoir choisi ce sujet, cette thématique, et d'y être allé avec beaucoup d'engagement. Au terme de son travail, il est à noter que plusieurs dynamiques alimentent la thématique et la communauté homosexuelle. Un, existe bel et bien au Bénin. Deux, elle est organisée. Trois, elle est encore inscrite dans une sorte de réclusion, dans une sorte d'exclusion sociale en raison des valeurs familiales, en raison des valeurs religieuses, en raison de l'organisation sociale. Elles ne sont pas encore intégrées, mais le candidat a prouvé à foison que ce n'est qu'une question de temps. Parce que les sociétés béninoises sont inscrites dans une mutation, dans une transformation, dans une évolution. Parce que les sociétés béninoises sont sous l'influence du vent qui nous vient de la globalisation. Et de plus en plus sera acceptée la communauté homosexuelle, que nous le veuillons ou non. C'était un rendez-vous d'échange et d'information. Parents Amis et Ali étaient fascinés de par les démonstrations scientifiques qui jaillissaient de part et d'autre. 22e docteur, ayant soutenu sous l'égide du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement LARED, du professeur Dodia Mouzouvi, l'heureux du jour a été accueilli dans le cercle des docteurs du LARED à travers le rituel coutumier effectué par la coordonnatrice du dit laboratoire. Monsieur René Calice, aujourd'hui, nous vous acceptons en tant que docteur à l'université et au Marais de professeur de l'université. Au lendemain, le 6 avril, après Calice Rouédé, c'est au tour de Bruno Dousseau de soutenir sa thèse dans la même salle. Devant parents, amis et alliés, l'impétrant a eu à défendre les résultats de ses recherches laborieuses. Suivez plutôt. Appréciez cette thèse après vous avoir écouté. Après avoir écouté votre présentation, après vous avoir posé un certain nombre de questions, a estimé que votre thèse est recevable. Le jury a apprécié avec assez d'intérêt, a pensé que vous méritez le grade de docteur avec la mention. Avec la mention. Très honorable. Félicitations. Des acclamations pour saluer et approuver la délibération du jury qui fait de Bruno Dousseau, docteur en sociologie-anthropologie, option sociologie du développement. Une délibération qui succède à une présentation en une trentaine de minutes de l'impétrant sur le sujet homosexualité masculine au Bénin, réception sociale d'une sub-identité sexuelle controversée, laquelle présentation riche en informations et en révélations a retenu l'attention tout aussi bien des membres du jury que des parents amis et alliés venus nombreux assister un des leurs à cette soutenance de thèse. On dit que les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche confirment l'ensemble des trois hypothèses émises au départ. Ce travail a permis de construire le regard sociologique sur le sujet de l'homosexualité, encore mal connu au Bénin, et dont les discussions sur la problématique sont encore à l'état embryonnaire. Mais il est important de reconnaître que dans toutes les sociétés dans lesquelles l'homosexualité est pratiquée, celle-ci n'a jamais été totalement acceptée. À travers les différentes périodes de l'histoire, l'homosexualité devait entrer dans certains critères pour tolérer. Néanmoins, cette relative acceptation fut et demeure fragile. Avec la pandémie du VIH-Sida, les mœurs ont progressivement évolué et la société est devenue de plus en plus tolérante. Cependant, les positions par rapport à l'homosexualité divergent beaucoup et les compréhensions et le regard social persistent. Les données issues d'entretiens semi-directifs, de questionnaires, d'observations directes et d'études documentaires ont fait l'objet de traitements et d'analyses. Ainsi, il en ressort qu'en général, les familles ne sont pas souvent informées de l'homosexualité de leurs enfants et quand elles le sont, elles tolèrent très rarement cette orientation sexuelle. Dans les familles et les différentes autres sphères de la socialisation, le statut d'homosexuel est très douloureux à assumer. Les homosexuels sont victimes de stigmatisation
et de discrimination face auxquelles plusieurs stratégies sont développées par les victimes, soit pour vivre leur orientation, soit pour la dissimuler. Monsieur Dussault a à son actif, avec moi, deux articles. Le premier, c'est le profil social de l'homosexuel au Bénin et le second, vécu du stigmate homosexuel au Bénin, l'homosexualité entre affirmation et dissimulation. Articles tous deux publiés à l'extérieur. Les résultats auxquels l'impétrant du jour sont parvenus sont des résultats qui, moi, personnellement, m'informent. Je croyais savoir sur l'homosexualité. Vous l'aviez dit hier, c'est une thématique tabou. C'est un sujet tabou. Je voudrais dire que la première fois où j'ai été témoin de cette affaire, c'était en Allemagne, dans le métro. Je revenais du bureau, du boulot, de l'institut. Lorsque je rentre dans le métro vers 17h, je vois deux hommes s'embrasser. Je connaissais la thématique. Mais c'était la première fois que je devais vivre ça. Mon cœur s'est mis à battre. J'ai eu très peur. Et j'ai dû quitter cette voiture pour rentrer dans une autre voiture. Tout adulte que j'étais, 15 associations, plus de 1300 identifiés officiellement. Et lorsqu'on rentre dans un ratissage plus large, c'est sûr qu'il y aura encore des poches. On ne peut pas aujourd'hui faire comme si ça n'existe pas. On ne peut pas, on ne peut plus le faire. Et hier, nous sommes parvenus à dire fatalement, ça va être, aujourd'hui c'est une déviance, c'est vu comme un problème, mais fatalement ça va s'imposer en raison des mutations sociales, en raison des transformations sociales, ça deviendra peut-être la norme. C'était très émouvant et très passionnant. Épris de fierté, le directeur de thèse lors de son appréciation a relaté les qualités exemplaires de ce 23e doctorant du LARED. Accolade et port de tauge ont précédé la fin de ce rendez-vous scientifique qui s'est matérialisé à travers un rituel destiné à l'accueil de tout nouveau docteur du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement LARED qui, à l'occasion, commémore ses 5 années d'existence. Monsieur Dussault, bonjour. Par les pouvoirs et l'autorité qui me sont conférés, après la décision du président du jury et le jury au complet, prenant les membres du laboratoire à témoin, vos parents, amis et collègues venus vous soutenir, moi, en tant que coordonnatrice du laboratoire déléguée par le directeur, je vous accueille au sein des docteurs du LARED. Soyez la bienvenue et bon vent à vous. Le peuple béninois a rendu un dernier hommage au roi du Qing System, Stan Toron, le vendredi 5 avril au Palais des Sports, Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une cérémonie aux allures des prestations données par l'artiste, prolixe de son vivant. Carles Kitomé a été témoin de ces hommages. Suivons-le. We can't change your world. The whole galaxy has a total. Le Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou a vibré le vendredi 5 avril 2019 au rythme des hommages à Stan Toron. Nous pensons toujours à lui et c'est pour ça qu'on a voulu déposer cette couronne au nom de toutes les associations de Bénin. Merci à vous et Toron. Très bon voyage à toi. Je ne suis pas le fils de Toron, mais on a toujours dit que je suis son fils, je suis son frère. J'ai deux frères qui ont moins de 39 ans. Et ça les voit, il y a 39 ans d'avance. La famille biologique de l'illustre artiste, le monde artistique et culturel et les autorités à divers niveaux se sont mobilisés pour honorer la mémoire de Roger Stanislas Mohamed Ibitoche Toron. Merci papa pour ce que tu es pour nous. Papa traverse le pont de l'éternité et rentre dans la maison de ton père qui t'attend. Au revoir papa, Roger Stanislas Mohamed Ibitoche Papi Grande, roi dit Chang System. Non, un artiste ne meurt jamais. Stan restera vivant et présent dans nos mémoires. Oui Stan, nous ne t'oublierons jamais. Nous, tes compagnons de route, nous engageons à poursuivre sans relâche
l'œuvre que tu as si bien commencée et pour laquelle tu t'es sacrifié. Parfois, il est difficile de parler d'un homme dont l'œuvre même parle déjà bien. Vous avez entendu tout à l'heure le jingle de l'orchestre. C'est une belle dédicace que Stan a faite à nos chers Abidjans. Et j'ai dit que si nous étions dans ce souhait de nous coller à l'actualité, ce serait encore une chanson de Stan. Parce que Stan nous invite au vote. Stan a chanté la mort, il a chanté la vie, il a chanté la joie. C'est encore Stan qui a fait cette belle chanson qui nous invite tous à critiquer ce qui ne va pas, parce qu'il y a une belle émission matinale qui autorise les auditeurs, le peuple, à dire ce qu'ils pensent. Et c'est encore Stan qui nous a dit il faut grogner. C'est Stan qui a dit que parfois, un chef d'État peut fournir de gros efforts et ne pas être compris. C'est lui qui a dit « Ewa Zoraka, Ewa Tofwewe ». Des prestations d'artistes ont marqué cette cérémonie riche en couleurs, digne du parcours du roi du Qing System. Sport à présent, pour mettre un terme à cette édition, la phase retour du championnat national de première division de football a démarré ce week-end après une trêve d'environ 4 semaines. Cette seconde moitié de la Vitalor Ligue 1, EZAE Football Club, l'a entamée comme elle a débuté la saison 2018-2019 par une victoire face à l'AS Tonnerre de Boycon. Vainqueur à l'aller, 2-1, la formation universitaire a battu cette fois-ci dans la douleur son adversaire 1-0 grâce à Emmanuel Samuel. EZAE a même terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Christian Legbe en seconde période. Nous l'abordons comme on l'avait commencé au début. Seulement aujourd'hui, il faut reconnaître que ça a été un peu plus difficile parce que d'abord, on jouait contre un adversaire qu'on a battu sur ses installations. Donc, ils étaient venus en revanche. Donc, il y avait une très belle équipe de Tonnerre qui jouait bien au ballon. Donc, ça n'a pas été facile. Et puis, dans l'ensemble, j'ai senti que, en tout cas, que mes joueurs étaient un peu épuisés sûrement par le match qu'on a fait le week-end passé, le mercredi passé. Je pense que le constat est là, on a eu assez d'occasions que nous avons vendées, donc c'est toujours le problème, notre problème éternel de scorer. Hein, de scorer. C'est vrai qu'en première partie, suite à une mauvaise communication, on a encaissé un but qui est resté jusqu'à la fin, que l'adversaire a défendu coûte coûte. Voilà. Chabel Gomez, le leader technique de ZEFC, a disputé son dernier match de la saison avec ses désormais anciens coéquipiers à l'occasion de cette rencontre face à l'AS Tonnerre. Il a rejoint hier le centre de formation du club français Amiens pour poursuivre sa carrière. Pour rappel, il devrait signer un contrat stagiaire avec l'actuel 17e de la Ligue 1, mais cela a été avorté. Parmi les autres résultats de la 20e journée de la Vitalor Ligue 1, la jeunesse sportive de Paubège JSP s'est inclinée pour la première fois à domicile cette saison face aux Dragons de l'OME, 1-2. Les Buffles FC du Borgou ont renoué avec la victoire après deux revers de suite. En déplacement à René Pleuven, Nabil Yarou et ses partenaires ont dominé l'association sportive du port autonome de Cotonou à SPAC, 1-0. Énergie FC a été surpris par UPI ONM, 0-1. Le second club universitaire a mis ainsi fin à 5 défaites consécutives. Par contre, Soleil FC poursuit sa série noire. Les protégés de Jonas Bidé ont essuyé leur 12e défaite consécutive face à l'USS Kraké, 0-1. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com.
www.radiomaria.org. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.